enfin un projet de femme pour les femmes. En tant que productrice télé, en 15 ans, j'ai jamais eu un projet comme celui-là sur la table. Alors, Wonderful Woman, pourquoi c'est un intérêt? Parce qu'on va aider plein de femmes. Parce que vous savez qu'en Belgique, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais il y en a beaucoup, beaucoup trop peu qui entreprennent. Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez un projet au placard depuis longtemps, si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, si vous êtes en train de développer votre entreprise ou si tout simplement vous voulez développer vos talents, c'est ici que ça se passe. Alors bonjour, Isabelle Vacher, j'ai 27 ans et je suis fondatrice de la marque Calice, qui est une marque de lingerie de sport qui allie technicité, élégance et innovation. Je m'appelle Malou, Marie-Alice de Graff, j'ai 61 ans, je viens de Haïti et bientôt je vais fêter mes 23 ans de Belgique. Bonjour, je m'appelle Caroline Eloy, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai un petit enfant de 4 ans. J'ai créé la plateforme mighty.be qui est la première plateforme de consultation psychologique par vidéoconférence. Bonjour, je m'appelle Lana, je suis maman de deux petites filles, Lana et Lynn, une qui a tout juste 2 mois. Je suis cofondatrice de Zendo, la première boisson apaisante en Europe, et community manager. Alors pour mener à bien mon projet, j'ai dû faire un emprunt assez important au niveau de la banque. Et voilà, bon, bah forcément, un emprunt, il y a des mensualités à rembourser. Donc voilà, à côté, il faut que je cumule un autre boulot pour pouvoir mener à bien le projet. Je suis arrivée ici avec, j'avais pas le choix, comme candidate réfugiée politique, le CPAS m'a été imposé. À bout de petits boulots, de galères, eh ben voilà, j'ai quand même élevé 3 enfants. Et je fais partie d'un incubateur de start-up dans le digital, où on est malheureusement que 2 femmes sur une petite centaine dans le digital. Au sein de notre réseau, nous avons voulu développer des outils pour accompagner, soutenir et déployer les talents des femmes. Car les femmes entrepreneurs aujourd'hui, et celles qui sont entrepreneurs en devenir, ont besoin d'outils, de soutien et d'accompagnement pour déployer leurs talents. Ce que je veux transmettre aux femmes qui veulent entreprendre aujourd'hui et aux WoWo, c'est que c'est possible de combiner la vie privée et la vie professionnelle en étant une maman, une femme et une entrepreneuse. Donc on peut y arriver, trouver des subsides, on peut se faire aider. Toutes ces questions de volonté et de s'entourer des bonnes personnes. Et le plus important, c'est que tout est possible. Le plus important, c'est d'être bien entouré, autant professionnellement qu'au niveau personnel. Si vous avez ça, vous allez réussir sans problème. Et depuis 7 ans, je développe mon plan, je vais bien, parce que je me sens plus jeune maintenant qu'il y a 7 ans. Mais en plus de ça, je suis chef d'entreprise avec une équipe magnifique, une équipe d'entrepreneurs. Si comme Marie-Alice, Isabelle, Caroline ou Maa, vous avez envie de déployer vos propres forces au travers de l'entrepreneuriat au féminin et de démarrer cette belle aventure, eh bien suivez-nous, suivez notre programme télé et surtout, au travers de nos différents canaux, 14 canaux de communication, nous allons vous transmettre des outils, de l'inspiration et du soutien pour pouvoir démarrer votre projet ou le développer si vous êtes déjà en cours. Pour ce projet, il est là pour dire aux femmes qu'il faut oser, il est là pour vous dire, chères femmes, je suis une wonderful woman, comme vous toutes, mais vous ne le savez pas encore. Je suis une wonderful woman et je suis fière de l'être. Je suis une wonderful woman, comme vous. Je suis une wonderful woman.